Good morgen, allez, Idan et les tutors aujourd'hui, le Nishmat Avam Chayin Orbe Ben Fortune Mazal, Yedida Batester, Yaakov Nissim Ben Chana et Machlouf Micha Ben Masouda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Kedot Perek Dalet Mishnah Aleph. Safek Achal Chelev, Safek Lo Achal. Vafelo Achal, Safek Yeshbo Kashi Ouvr, Safek Sheenbo. Chelev Vashuman El Fanav, Achal et Echad Men, Ven Yadua Eizo Men Achal. אשתו ואחותו אמו בבית שגג באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג. שבת ויום חול ועשה מלאכה באחת מהן ואין ידוע באיזו מהן עשה. מביא אשם תלוי. On débute à présent dans ce chapitre les halakhot du Hacham Talouy. A savoir, pour tout interdit sur lequel on est passible d'apporter un korban khatat, parce qu'on était beshogay, c'est-à-dire une avéra sur laquelle on est passible de karet si on la faisait bemezid, on est passible de retranchement si on la faisait consciemment, et lorsqu'on a un oubli, un moment d'inattention, on a transgressé, alors on doit apporter un korban khatat. Maintenant, la Torah, elle a aussi proposé, donné la possibilité d'apporter un korban hacham taloui, lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une faute d'un korban khatat. A savoir, avec le premier cas, le premier de la Mishnah, qui en était le troisième de la Mishnah, un cas classique, c'est le cas type, c'est, j'avais un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise dans la cuisine, et j'en ai pris un des deux pour me faire un sandwich, j'ai démangé, l'autre, je l'ai jeté parce que j'étais sûr que c'était le chélève, et puis d'un coup je commence à me dire, mais j'ai fait une bêtise, j'ai mangé celui de droite ou celui de gauche, et comme ça je ne sais plus est-ce que j'ai transgressé un interdit de khatat. Alors sur cela, il y a la Torah a donné la possibilité de porter un korban hacham taloui. Un korban hacham, le procédé est différent, le rituel il est différent. Korban khatat, c'est une femelle qui se bat au Seira, qu'il faut la monter sur le misbéach pour donner sur les quatre coins du champ, sur les quatre coins du misbéach. D'accord, faut monter sur le, on monte sur la pente, la rampe du misbéach, on va donner le coin sur les coins du misbéach. Tandis que le korban hacham, alors c'est un mâle, c'est eil hacham, c'est un eil, un bélier. Il faut l'asperger juste en bas du misbéach, sans monter sur le kevesh. Autre chose aussi, autre point important, c'est que j'apporte un korban hacham, hacham taloui donc, c'est momentané. C'est-à-dire, en théorie, comme ça on l'a déjà vu dans le Barthénoré, porté et rapporté, que en théorie, lorsqu'on transgresse une faute, eh bien, on n'a plus l'aide du ciel qui nous accompagne, on est passible de souffrir toutes sortes de galères, de difficultés, d'épreuves. Et pour pouvoir se faire expier en attendant, alors on apporte le korban hacham taloui. Jusqu'à ce que l'on réalise qu'on a réellement transgressé la faute, alors lorsqu'on réalisera qu'on a transgressé la faute, il faudra apporter un vrai korban khatat, même si on a déjà apporté le korban hacham taloui. D'accord? Maintenant, le but de notre Mishnah est de nous expliquer quel type de safek, quel type de doute. Sur quel type de doute il faut nécessairement apporter un korban hacham taloui? C'est-à-dire, j'ai mangé un sandwich à midi, j'ai mangé de la viande. Et puis d'un coup, je me dis, ah, mais peut-être que je suis parti l'acheter dans la boucherie du goy et que c'était de la graisse interdite. Est-ce que c'est un safek suffisant? Et la réponse, elle est non. Il faut, pour que un type de safek, un type de doute, où il y a ce qu'on appelle ikva isura. C'est le mot du Barthénora, le premier Barthénora de Safek Achal, ça se finit delo ikva isura. Un principe écrit dans la Gemara qu'il faut qu'il y ait forcément ce qu'on appelle khatiha achat mishte khatichot, un morceau parmi deux, c'est-à-dire qu'il faut que le doute ne provienne pas juste que j'ai des questions historiques, il faut que concrètement qu'il y ait une situation où il y a un issour devant moi et un heter devant moi et je ne sais pas est-ce que j'ai pris l'un ou j'ai pris l'autre, comme ça va être tous les cas de la Gemara, de la Mishnah. Et donc la Mishnah, elle commence à me donner une première phrase qui en réalité est floue, qui est discutée dans la Gemara, comment l'interpréter, et que, en réalité, c'est une généralité qui sera explicitée ensuite. Je traduis d'abord, « Safek achal chélev, safek lo achal. » S'il a un doute, est-ce qu'il a mangé ou est-ce qu'il n'a pas mangé? Vraisemblablement, il y a écrit donc que il y avait du chélev dans la cuisine et j'ai mangé, mais je ne sais plus ce que j'ai mangé ou j'ai pas mangé. J'ai un doute, est-ce que j'ai mangé aujourd'hui à midi? Je n'arrive pas à me souvenir. Vraisemblablement, c'est ce qui est écrit. Or, c'est faux. Il va falloir expliquer que ce cas-là, c'est le cas en fait qu'il va y avoir après, pas celui-ci, mais celui juste après. La Mishnah continue en me disant, va filo achal, même s'il a mangé, ça fait qu'il miège bo kashiur, ça fait que chez enbo. Il a un doute, est-ce qu'il y avait la quantité ou non? Alors là,
On a une raison concrète. Il y avait un morceau de gras devant toi, de graisse interdite. Bien sûr, au moment où il l'a mangé, il ne savait pas que c'était une graisse interdite. Puis après, il réalise qu'il a mangé un interdit, mais il ne savait pas ce qu'il a transgressé. Est-ce qu'il a mangé un kazaït, la quantité requise pour transgresser l'interdit très élevé. Ou bien non, il a pas mangé assez. Donc là, il a un doute avec. C'est un doute concret. Il y a ici ce qu'on appelle Itrazek Isura, Ikva Isura. Il y a le sur qui est Kavua, qui est fixe devant nous. Et on ne sait pas est-ce que je l'ai transgressé. Idem encore, donc c'est le fameux cas qu'on a dit, Chelev Veshuman Lefanav. Chelev, c'est une graisse interdite, et Shuman, c'est une graisse permise. Dans les animaux, on avait déjà pris dans Khulin, on avait. Je sais plus si c'était dans Khulin, il me semble que c'est dans Khulin. On avait défini, c'était dans la Gemara de Khulin, on avait défini chaque, quelles sont les graisses exactement qui sont interdites. Il y a les graisses qui se trouvent sur les intestins, Amrasatakarev, les rêves des Klayot. C'est d'accord, ils sont précisés toujours, Yoter Takaved, Rêve Klayot, Vea, je sais plus comment c'est dit, enfin, c'est pas grave. Il y a le, donc on a dit Rêve Shuman, une graisse permise, une graisse interdite, qui sont tous les deux devant lui. Il a mangé un, mais il ne sait pas lequel. Encore autre solution, maintenant on va quitter l'histoire avec les graisses pour parler d'autres cas de figure. Il peut aussi y avoir un cas que Ishto va choto imo babait. Il y a sa femme et sa sœur qui dorment chacune dans une chambre. Et il s'est peut-être trompé d'adresse. Personne ne se souvient de ce qu'il a fait. Il était un peu à moitié rond. Eux, ils dormaient trop profondément. Et puis, il ne sait pas est-ce qu'il a eu avec un ou avec l'autre. Shagag Be'achatmen, il a eu, il est parti voir une sans savoir. Ven Yadoua Be'ezomen Shagag, il ne sait pas avec laquelle il a eu son rapport. Idem, encore autre solution, avec Shabbat. Shabbat, on est Chayav Karet. Si on transgresse Be'mezid, ce qu'il a ou Karet, s'il y avait des témoins ou pas. Et lorsqu'on transgresse Be'shogeg, alors on apporte un Korban Khatat. Il ne sait plus ce qu'il a transgressé. Mais quoi, comment se présente le cas? Il y avait Shabbat Ve'yom Chol. Il y avait le Shabbat et un jour de semaine. C'est-à-dire. Et quoi? Il a fait un travail interdit dans une des deux. C'est-à-dire que le samedi soir à minuit, il se souvient qu'il a, que ça fait déjà quand même 2-3 heures qu'il n'a pas fumé. Il se dit, mais, enfin, minuit, enfin, on a 4 de 9 heures du soir. Et puis, ça fait 2-3 heures, ça fait au moins 3-4 heures que j'ai pas fumé. Il se dit, mais attends, fumé. On est samedi, c'est-à-dire que j'ai fumé 3-4 heures. Il y a 3 heures, c'était déjà fini Shabbat, ou il y a 4 heures, c'était pas encore fini Shabbat. Il ne sait plus est-ce qu'il a transgressé, Shabbat ou non. Il sait qu'il a fumé dans les dernières heures, qu'il a oublié que c'était Shabbat, mais peut-être qu'en fait, il avait dépassé Shabbat. Donc là, regardez, il y a de nouveau, c'est sûr qu'il y avait une action qui était certainement interdite, une action qui était certainement permise, et il ne sait pas ce qu'il a fait, celle-ci ou celle-là. D'accord ? Shabbat v'yom chol, asa melacha be'achatmen, ven yadua be'izemen, asa. Dans tous ces cas de figure, Ben Mevi, Hacham, Taloui devra apporter un Korban, Hacham, Taloui. Littéralement, Korban, Hacham, c'est une expiation, comme Hacham, nous, qu'on dit à Yom Kippour, quand on fait le vidouille, et Taloui qui est suspendu, ou qui suspend plutôt, qui suspend le fait qu'on doit être puni, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on doit peut-être apporter un Korban Khatat. Donc pour le moment, ce Korban va suspendre les Issouri. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.